Sum anjeung angku choh. Ong chum chumreh pakah bonto kaich damnaka nite vithi samraka. Hai chi kaich bonto ni sum pukul vidika chun te luok mithuvi phrong so ru da chi mithuvi kapie chun chep chaut. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc essayer de poser l'ensemble de mes questions à l'expert avant la fin de cet après-midi, sachant que j'informe respectueusement la Chambre qu'à votre reprise le 8 juin, je ne pourrai pas être présent, et ce jusqu'au 11 juin, où je serai de retour. Comme je l'ai indiqué à la Chambre, je dois aussi, dans le même temps, m'occuper des fonctions auxquelles le secrétaire général des Nations Unies m'a demandé de me consacrer au tribunal du Liban. Ce sera donc Marie-Paul Canizares qui me remplacera à votre reprise pendant 3 jours. Bon après-midi, Monsieur l'expert. Merci de votre patience. Vous êtes prêt à répondre à mes questions. Yes, of course. Je crois savoir, Monsieur l'expert, que dans le passé, vous avez travaillé ou apporté votre concours, je ne sais exactement, à l'organisation non gouvernementale DICICAM. Est-ce exact? Yes, Counsel, that is correct. Vous étiez employé de DICICAM, vous étiez consultant. Quelle était exactement votre fonction? In 1995, Council, I was part of the team that established the documentation center. I proceeded to serve as director of the documentation center for the subsequent 2 years. Vos fonctions à DICICAM en 1997, c'est bien cela? At the end of 1996, I ceased to perform the role of director and entered into an advisory capacity. Pendant combien de temps êtes-vous resté conseiller de DICICAM, Monsieur l'expert? Counsel, I cannot give you exact times on that, as my memory fails me. But I did carry out, if I recall correctly, 2 contracts in which my role could be described as a consultant, and those periods stretched across the course of approximately 3 years. In
Et depuis combien de temps êtes-vous membre du bureau du procureur aux chambres extraordinaires? Since the beginning of July 2006. Comme l'a rappelé Madame la juge Sylvia Wright, vous avez écrit de très nombreux ouvrages de référence et qui font de vous un expert reconnu par la communauté des chercheurs. Est-ce bien exact? Counsel, it is correct that I have written several books on the topic of Vermeer-Rouge. I will leave it for others to assess my reputation. Je vous rassure, elle est bonne. Alors ma question au début de notre entretien est la suivante. Et c'est une question importante, vous l'imaginez. En l'état, d'une part, de vos connaissances de chercheurs, mais d'autre part, de vos fonctions actuelles auprès du bureau du procureur, pensez-vous être en mesure de répondre à mes questions de façon totalement libre et indépendante, y compris si les réponses que vous deviez apporter était contraire à la stratégie du bureau du procureur? Counsel, I do. Je le crois aussi. Merci, monsieur l'expert. Dites-moi, si nous reparlions un petit peu de ces 9 lettres adressées par Soumet à Douk. Dans votre rapport, vous n'avez cité que 3 lettres. Pour reprendre l'excellente observation de ma consoeur Maître Studinski, quand vous faites votre rapport, vous avez connaissance de l'ensemble des lettres ou seulement de 3 lettres? De l'ensemble des lettres dont nous avons débattu hier matin, c'est-à-dire vous avez connaissance de 9 lettres ou seulement des 3 lettres que vous citez dans votre rapport? Yes, counsel, I understand. At the time I wrote my report, I believe that I was familiar with 8 of the 9 letters. The 9 came to my attention sometime after I completed that report. Et donc, ayant eu connaissance de 8 lettres, vous en avez sélectionné 3, c'est bien exact? Yes, counsel, that is correct. Et en votre qualité d'expert, vous pensiez que les 3 que vous aviez sélectionnés suffisaient à la démonstration que vous souhaitiez faire, je suppose. That is correct, counsel. Merci.
Qu'est devenu Monsieur Soumet, savez-vous? I do know. Look at the son. He is alive and well. God, and as I understand it, living in Battambang province. Vous n'avez jamais eu l'occasion de l'interroger sur ses lettres. No, I did not. Puisque nous parlons d'autres personnes, est-ce que vous pouvez me confirmer concernant notre, concernant le supérieur hiérarchique de doute concernant M. Sun Sen, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il était toujours vivant après la fin du régime du Kampuchea démocratique? Yes, counsel. But he was alive after January 7, 1979. Et est-ce que vous pouvez confirmer à la Chambre s'il a continué à être impliqué dans la politique pendant les années suivantes? Yes, counsel. Est-ce que je me trompe si je dis qu'il faisait partie de la délégation qui a signé les accords de Paris en 1991? I believe that is correct, counsel. Monsieur l'expert, vous avez évoqué ici ou là de vos interventions le mot de peur. Peut-être avez-vous également utilisé le mot de terreur. Comment définiriez-vous un régime de terreur? That's a very interesting question, counsel. I would define a terror regime as a government or similar organization that employs methods of arbitrary violence to coerce the compliance of its own members and populations that it wishes to control. Je ne pense pas me tromper en reconnaissant là la définition du Kampuchea démocratique. Ou plutôt en disant que cette définition cadre bien avec le régime du Kampuchea démocratique. Is that a question, counsel? Oui, c'était une question. It is my personal view that the leadership of Democratic Kampuchea explicitly employed terror as a means of control. Alors, on va aborder ces questions précisément. J'aurais voulu avant
vous demandez si dans vos recherches vous aviez analysé le langage utilisé précisément par les dirigeants du Kampuchea démocratique. Et si vous aviez analysé ce que ce langage pouvait induire dans ce système de terreur. D'abord, une question générale, peut-être je peux préciser après, mais est-ce que vous avez, sur la question du langage utilisé dans ce régime, est-ce que vous avez vous-même une observation générale? Council? An explicit linguistic study on this subject matter. However, having been a student of democratic Kampuchea for some 30 years, I have given some thought to the use of language. Oui, je n'ai pas plus de connaissances que vous dans la langue khmer, et je me base, hélas, seulement sur des traductions, mais pour être plus précis, on voit souvent apparaître le terme en disant « les subordonnés doivent réfléchir ». Ils doivent faire attention. Je vais être encore plus précis. Au paragraphe 121 de votre excellent rapport d'expertise, vous citez Sun Sen le 2 août 1976, paragraphe 121. Et vous dites, Sun Sen a averti ses commandants qu'ils devaient réfléchir de manière à éliminer les ennemis tant externes qu'internes. Et il leur a ordonné de faire attention à éliminer, etc. On reviendra plus tard. Mais je suis pour ma part frappé. Quand on a dit, vous devez éliminer les ennemis. Vous devez éliminer complètement les mauvais éléments du parti. Il dit, vous devez réfléchir de manière à, vous devez prêter attention, etc. Et on retrouve ce genre de terminologie dans d'autres documents. Je voulais juste savoir si cela avait frappé votre attention comme ça me frappe. Counsel, don't believe I agree with your analysis. If you read the entire sentence, continuing on from where you stopped, it says to pay attention to purging no good elements completely from the party, which I believe is just what you were noting they did not do. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il me semble, c'est qu'on ne donne pas un ordre direct, mais on demande chaque fois de réfléchir à la manière de quoi? À la manière d'exécuter soi-même la politique du parti. Est-ce que je me trompe? My understanding, Council, is that in this session, with his division commanders, Sun Sen was doing what was known in the party as propagating the line, that is, making sure that his subordinates
understood the policy of the party and their role. C'est également ce que je comprends, le rôle personnel dans la mise en œuvre de cette politique. C'est bien ça? Le rôle qu'il devait prendre personnellement dans la mise en œuvre de cette politique. Yes, toujours dans cette question du langage utilisé et une question qui se rapporte de notre question que vous avez abordée, celle du secret. Vous étiez présent hier matin lors des questions posées par M. le juge Lavergne à l'accusé qui lui demandait pourquoi les noms des supérieurs n'étaient pas mentionnés. Et l'accusé répond parce que c'était comme ça. D'après vos travaux de recherche, est-ce que, effectivement, dans ce régime, il y avait une politique du secret qui faisait que même quand les documents eux-mêmes étaient confidentiels, on évitait d'utiliser le nom direct de Pol Pot ou le nom direct de Nguyen Chia ou le nom direct de Sun Sen, par exemple. Yes, counsel. The devotion to secrecy in the Communist Party of Cambodia was extreme. And the explanation that the accused person made on that point was plausible to me. Alors, sans vouloir faire de répétition par rapport à beaucoup de choses qui ont déjà été dites, je voudrais revisiter rapidement avec vous votre rapport en extrayant des thèmes, si vous voulez bien m'accompagner dans ce travail. Un des thèmes dont vous parlez, c'est précisément la manière dont le PCK a organisé et hiérarchisé son pouvoir. Et vous citez notamment l'article 11 des statuts du PCK. L'article 23 du statut du PCK à votre paragraphe 11. Je voudrais relire l'extrait que vous citez. D'après les statuts, les fonctions du comité central. Et vous nous avez expliqué qu'en réalité, c'était surtout le comité permanent qui, après, s'emparait de ça. Mais les fonctions du comité central comprenaient la mise en œuvre des instructions du parti dans l'ensemble du pays, la diffusion des instructions à toutes les organisations de zone, de secteur et municipal, et aux organes du parti responsables de divers ministères nationaux, ainsi que, et vous citez toujours, l'administration et le déploiement des cadres et membres du parti dans l'ensemble du parti, tout en gardant, et c'est très important,
tout en gardant une emprise ferme et constante sur leur biographie ainsi que leur position politique, idéologique et organisationnelle, en les éduquant et les endoctrinant sans cesse sur les plans de la politique, de l'idéologie et de l'organisation. Est-ce que ça n'est pas déjà un programme de terreur, monsieur l'expert ? To the extent, Council, that the focus on grasping personal biographies is tied to a process of purging cadre based on those biographies, I would say yes. ទាំងអស់នេះដូច្នេះខ្ញុំនិយាយថាពិតជាដូច្នោះមែនet vous avez vous-même précisé à l'audience du 21 mai លើកឡើងបញ្ជាក់នៅក្នុងការលះស្ទីតទៅលើប្រតិកម្មមីសអង place Le centre du parti était le seul organe qui savait ce qui se passait dans tout le pays. Nous sommes bien d'accord. Yes, Council, that is my view. Et tout était mis en place, cloisonné, dans le secret. De manière verticale pour que, effectivement, le centre du parti soit le seul organe qui sache ce qui se passait dans tout le pays. In general, yes, although there may have been exceptions to that general rule. Allez-y, monsieur l'expert, si vous pouvez nous donner des exceptions. The one exception that came immediately to mind is the accused person. Formally, he was not a member of the party center. However, he had the opportunity to interrogate persons from all units of organization at all echelons from all across the country. And in the course of that work, he gained a unique perspective on what was happening within Democratic Cambodia. Il a obtenu et rendu compte. Nous sommes d'accord. À qui ? Au centre. Est-ce bien exact ? Yes, Council, that's correct. Je reste pour l'instant sur l'organisation générale. Au paragraphe 99 de votre rapport, vous citez également le comité militaire du comité central. Et vous indiquez, bien qu'il ne soit pas mentionné dans les statuts du PCK, c'était un organe essentiel du Kampuchea démocratique dont l'existence est confirmée dans les documents et déclarations.
C'est bien ça. Il y avait donc bien un comité militaire du comité central que vous décrivez dans votre rapport. Yes, counsel. That is correct. Et vous voulez bien rappeler à la Chambre le rôle de Sun Sen dans ce comité militaire du comité central? Council, Sun Sen is often described as a secretary of the committee. Not secretary in the sense of the top leader, but my sense is a secretary in the sense of a reporting member, a junior member. Et qui en était le président? Pol Pot was the chair of the Central Military Committee, according to my understanding. Vous avez rappelé ce matin que dans tout pays, les politiques veulent avoir autorité sur les militaires. Et là, on voit que Pol Pot, qui est l'autorité suprême, a aussi le rôle de président de ce comité militaire, j'allais dire non déclaré. That is correct. Donc Pol Pot, président de ce comité militaire, Sun Sen, secrétaire, et pourtant vous nous avez indiqué lors d'une des audiences précédentes, vous nous avez dit cette phrase, Sun Sen, alors je n'ai pas le terme exact, mais vous me corrigerez si je me trompe, Sun Sen ne prenait pas lui-même d'initiative, il rendait compte à Pol Pot. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Council, if I recall correctly, I was discussing two of the fundamental principles of the party as described in the statutes of the Communist Party of Cambodia, specifically collectivism and democratic centralism. These two principles, when implemented as they were intended, resulted in collective decision-making. This is what I was referring to, if I'm not mistaken. Est-ce que vous me diriez que Sun Sen pouvait prendre des décisions sans avoir l'aval de Pol Pot? No, counsel. Actually, I'm hinting at rather the opposite. Although it's also true that responsible decision-making bodies, such as the Standing Committee or the Central Military Committee, will make decisions
on the broad outlines of policy. And then in many instances, the implementation details are up to the responsible implementing organs to decide. តត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 ត
No, I do not believe you are mistaken. I think there might be some problem with I believe you are correct. On a daily basis, you came into the center office. Une question juste entre parenthèses. On a retrouvé les archives du bureau 870, monsieur l'expert. Presuming that 870 maintained an archive council, which one would imagine that it would. This archive seems to have been destroyed in its entirety. Presumably, just prior to the evacuation of Phnom Penh, some small number of examples of communications of this 870 have been discovered in other locations. Vous serez d'accord avec moi sur l'interrogation qu'on peut avoir alors que vous-même ou un autre expert, je ne me souviens plus, disait ici dans cette enceinte que jusqu'au dernier moment, Pol Pot n'a pas cru à la défaite, la preuve étant qu'il est parti au tout dernier moment. Je ne suis pas certain pour ma part qu'on ait pris le temps de détruire les archives du bureau 870. Mais je referme ma parenthèse. Je voudrais que nous continuions sur l'organisation et sur précisément la ligne politique. Vous avez vous-même cité cette décision du 30 mars 1976. Et mon confrère, Maître Karsavout, ce matin, a rappelé ce que vous dites au paragraphe 24, c'est-à-dire que c'est cette décision du 30 mars 76 qui établit, alors qu'est-ce qu'on va dire, l'injonction, l'ordre, d'abord, d'exécuter au sein et en dehors des rangs, et ensuite qui donne à différents organes le pouvoir de décider de l'exécution. Nous sommes d'accord, c'est bien le 30 mars 1976 que le comité permanent décide sur ces questions. Il décide donc d'une politique générale d'exécution au sein et en dehors des rangs. Est-ce que c'est bien exact? Council, the 30 30 March decision formally authorized
such behavior and defined it in specific terms, one might also interpret this order as simply a ratification of existing practice. ទៅលើការអនុវត្តដែលមានរួចជាស្រេចមកហើយនោះមេធាវីកាវូឌីតឌីណូប្រាទិកអេសគូជេពូអាជូទេឌីណូប៉ូលីទិកអេឌីណូប្រាទិកអេតាប៊ីតើខ្ញុំអាចនិយាយថាគឺគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តដែលមានរួចជាស្រេចមកហើយនោះតើខ្ញុំអាចនិយាយបានដូច្នេះទេ Yes counselI think that would be a reasonable way to describe it. But with the way that we have to describe it, we have to describe it in this way. Yes, vous avez peu parlé de la décision d'octobre 1975. Vous avez des commentaires à faire sur cette décision ? La réunion du comité permanent du 9 octobre 1975. Alors, peut-être comme on ne l'a pas souvent évoqué, je dois donner le numéro ERN en français. C'est 002-9-8-6-8-8. Jusqu'à 0029-2-8-6. Et l'original en Khmer, 0-0-0-9-1-0-8 jusqu'à 0-0-0-1-9-1-2-6. Alors, d'abord, voulez-vous confirmer à la Chambre qui, dans cette réunion du comité permanent du 9 octobre 1975, est désigné comme responsable de l'état-major et de la sécurité. Yes. Look at your son. But can I be checked by Lumi TV? I believe it is at the bottom of page 6 of the Khmer original and the top of page 7 of the Khmer original. Pages 4 and 5 of the English version. That this document turns to military affairs and the topic of setting up the general staff. The first item is described as assignment of tasks, and it says policy, comrade Q, which is a nom de guerre for Son Sen. Si je peux me permettre, monsieur l'expert, à la première page, certainement en français et en anglais, au point 6, on parle effectivement déjà du camarade Q. Voulez-vous indiquer à la Chambre comment il est désigné? Est-ce que
Luke Edgerson. Counsel. Luke Mithivi. I don't believe that I can tell you that in any detail. Other than the inference that this was a collective decision of the Standing Committee and or of the Center Military Committee and that the Center Military Committee decision was simply being reported to the Standing Committee. I think we have no information at present on which to determine how that process unfolded. Je crains qu'il y ait eu un problème d'interprétation. Je vous demandais seulement de me dire si au point 6 de la première page, il était bien indiqué « camarade Q, responsable de l'état-major et de la sécurité ». C'était ça ma question. Est-ce que vous avez ça sur votre exemplaire également ? Yes, counsel, I do. Donc, nous savons que le 9 octobre 1975. Of course, Mr. President, I was confirming to counsel for the defense that under item 1 of the agenda of the meeting of the Standing Committee minutes dated 9 October 1975, point 6 states that Comrade Q is responsible for General Staff and Security. Donc, nous avons au moins par ce document, la preuve qu'au mois d'octobre 1975, M. Sun Sen est déjà responsable de l'état-major et de la sécurité. Nous sommes d'accord? Yes, counsel. Correct. Continuons toujours dans ce régime qui s'appuie également, avez-vous dit dans votre rapport et à l'audience, sur l'endoctrinement. Nous sommes d'accord également pour dire que ce régime s'appuie sur l'endoctrinement, comme c'était précisé dans les statuts et l'article 23 notamment. Yes, counsel. Very much so. Alors, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur les sessions de formation régulièrement organisées, que ce soit dans les unités, que ce soit à la base, que ce soit au niveau central, et vous disiez chacun pouvait être informé de la ligne du parti et de la ligne en vigueur. On est bien sur ce sujet, un endoctrinement systématique diffusant la ligne du parti.
C'est bien de ça dont nous parlons. No, Council. Look at your son, any person. Look, I just said, no, 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 I would say, any member of the party. C'est bien de ça dont je parlais. Tout membre du parti, toutes les structures du parti. D'accord? Yes. On a beaucoup parlé des séances de formation. Yes, Council. Look, Edgerson. Bad look, Mitivi. This was the question regarding the party line being disseminated to all members of the party. I agree. Et donc, vous avez parlé de toutes ces séances de formation indiquant, par exemple, que l'accusé avait lui-même assisté à des séances de formation qui étaient données aux unités militaires. Vous avez également souligné que les cadres de S21 participaient à des séances de formation qui leur étaient données soit par l'accusé, soit même, avez-vous dit ce matin, par Sun Sen, qui était venu au moins une fois à S21 pour donner ces formations. Alors, ma question, quand on était membre du parti, et notamment quand on était cadre, avait-on le choix d'assister ou de ne pas assister à ces séances de formation? Council, one always has a choice. But it might not be wise. Je veux bien accepter ce type de réponse. Alors, aller plus loin. Qu'est-ce qui se passerait pour un cadre du parti qui ferait le choix de ne pas aller à une séance de formation, par exemple? I would expect that this would result in some kind of disciplinary action. Exactly what? It would depend on the situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a des personnes qui ont été écrasées, pour reprendre ce mauvais et tragique terme, qui ont été écrasées pour des petites choses? Et qu'on peut considérer que des personnes auraient pu se retrouver écrasé pour n'avoir pas suivi les séances de formation? I know of no such specific occurrence.
council, but it is not at all difficult to imagine that it might well have happened. Puisque nous sommes sur ce sujet, nous y reviendrons peut-être, celui du choix et donc de l'obéissance. On fait le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Est-ce que je me trompe en disant que dans le Kampuchea démocratique, si on faisait le choix de ne pas obéir, on avait quelques problèmes qui pouvaient aller jusqu'à la mort? Unquestionably, Council. Continuons sur cette organisation. Après l'endoctrinement, en même temps, je dirais que l'endoctrinement, vous citez un des canaux de la propagande, le drapeau révolutionnaire. Et je crois que vous avez d'ailleurs rajouté à ces audiences, on devait le lire. C'était une obligation. Et ne pas le lire consistait à s'exposer, à être accusé de trahison. Est-ce bien exact? I have seen instances where failure to distribute revolutionary flags to one's subordinates was characterized as a treasonous activity. Yes. Vous citez à votre paragraphe 63 ce passage éclairant du drapeau révolutionnaire qui est également à votre note de bas de page 142. Nous devons considérer comme essentiel la tâche de lutter contre l'ennemi intérieur qui est lié à chacune de nos autres tâches. Chaque niveau du parti doit dès lors jouer le rôle consistant à diriger l'armée et le peuple afin de s'attaquer à tous ses ennemis, de les éliminer proprement, éliminer, encore et encore, sans relâche, de sorte que les forces du parti soient pures, que nos forces dirigeantes à tous les niveaux et dans toutes les sphères soient toujours propres. L'accusé a eu l'occasion de dire que le rédacteur du drapeau révolutionnaire était en réalité Pol Pot. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette affirmation? Council, other sources have also described Pol Pot as being centrally involved with the production of revolutionary flags. Some sources assert that he wrote every word, while I find that a little bit difficult to credit. It is not difficult to believe that he would pay very close attention to this crucial tool
indoctrinating cadre. មកពាក់បំពន់មនុស្សកម្ពុជាទៅដល់កម្មាភិបាលនោះទេ